Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une jeune entreprise rennaise et d'une jeune entrepreneur, Marie Calonne. Sa mission, faire sourire les salariés et les entreprises en effectuant toutes les tâches quotidiennes qu'elles ne souhaitent pas faire. Donc Marie, première question, pourquoi une entreprise ferait appel à la minuterie ? Lorsque le dirigeant souhaite apporter une solution concrète pour ses salariés, notamment un confort professionnel, telle qu'une conciergerie pour améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs. D'accord. Et concrètement, comment fonctionne aujourd'hui une conciergerie ? C'est l'entreprise qui souscrit à l'un de nos abonnements, d'accord, qui donne accès à un panel de services et de produits du quotidien et aussi à des permanences physiques par semaine qui sont fixées selon l'effectif ou la typologie de l'entreprise. Donc c'est flexible, c'est des abonnements sur mesure. D'accord. Quand tu parles de service, tu penses à quoi comme service par exemple ? Qu'est-ce qui est principalement demandé ? Alors, les paniers légumes, la baguette de pain traditionnelle, les services de cordonnerie, pressing, de retouche et aussi des services, je dirais, plus ponctuels de mise en relation auprès des experts de service à la personne ou de bien-être en d'accord entreprise. C'est okay assez varié et ça concerne le quotidien. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'abonnement. Donc, oui, abonnement veut dire coût. Donc c'est destiné à des grandes entreprises principalement ou veut dire quels sont tes principaux clients et est-ce que c'est réservé à des très grandes entreprises ? On s'adresse à tout type et toute taille de sociétés, d'entreprises. L'engagement, il se fait vraiment par la démarche de vouloir apporter un confort aux salariés. Donc parmi nos clients OVH, j'ai commencé, ils étaient 40, aujourd'hui 180. Il y a le groupe Brilac, créateur de patrimoine en immobilier entreprise, ils sont 10 actuellement. Spibatignol Énergie, ils sont 10. Groupama, 250. Et une étude notariale, ils sont 45. D'accord. Si je viens sur ton aventure entrepreneuriale, comment tu décrirais en une phrase ton aventure aujourd'hui ? Enrichissante, bouleversante et reconnaissante. À la fois par le fait d'apprendre au quotidien le rôle du dirigeant, le rôle du concierge, d'être au service des salariés au quotidien, et aussi reconnaissante à travers les expériences clients de mes clients et le soutien de mon réseau et de mes partenaires locaux. D'accord. Est-ce que tu as été accompagnée par une structure dans ta création d'entreprise, dans ton projet ? Oui. Par qui ? Yao, notamment, et d'accord, où je bénéficie aussi d'un parrainage, okay, d'un parrain qui m'accompagne à notre manière, assez régulièrement, ponctuellement, mais qui suit l'aventure de la minuterie à Rennes, d'accord, et son développement. Ok. Dernière question, traditionnelle. C'est toi qui choisis l'entreprise que je vais aller visiter la prochaine fois. À qui tu penses spontanément ? À Béatrice Leclanche, fondatrice d'Awen et aussi cofondatrice de The Workplace to Be, qui œuvre également pour le bien-être en entreprise, ou bien à travers l'art, ou bien à travers l'aménagement en entreprise. Ok. Merci Marie, j'irai lui rendre visite bientôt. Merci à toi, merci, Florent. À bientôt. Merci.